Nous qui sommes maintenant des contributeurs un peu plus expérimentés, on n'a pas commencé en faisant un article parfait dès le début. On a fait des erreurs comme tout le monde et c'est tout à fait normal. Donc, vous avez en plus la chance, dans le cadre du Wikim, vous allez le voir dans les semaines 4 et 5, vous allez devoir rédiger un article, mais vous allez le faire sur votre espace brouillon. Ce qui fait que vous allez pouvoir le faire de manière assez confortable, sans être tout de suite exposé aux remarques des autres contributeurs. Vous allez pouvoir le faire dans un espace un petit peu sécurisé, on va dire. Et vous pourrez demander une relecture de votre article de la part des contributeurs expérimentés, de la part de la communauté des contributeurs et des contributrices, avant de le publier. Donc, il ne faut pas avoir peur de cet aspect-là. Et même ensuite, de toute manière, un article est amené à évoluer. Une fois qu'on l'a publié, il ne reste pas tel qu'on l'a publié, il va évoluer. Oui, pour rebondir là-dessus, je demande si la question de Grand Bout était là-dessus, mais on pourrait considérer qu'un article de Wikipédia n'est jamais terminé. En fait, une chose dont il faut se rendre compte, c'est que c'est forcément un processus dynamique, que même au début de Wikipédia, si je me trompe pas, on encourageait à créer des articles d'une seule phrase pour créer une masse d'articles à compléter. Donc, par rapport à la question de Grand Bout, l'historique d'un article, c'est à la fois le témoin que c'est un processus dynamique et c'est aussi que c'est un processus collaboratif et que écrire un article, c'est aussi le soumettre à toutes les autres personnes pour qu'elles l'améliorent. Et pour compléter encore un tout petit peu, sur Wikipédia, on parle souvent d'une petite anecdote qui s'appelle « La pomme est un fruit ». En fait, l'article « pomme » a commencé par une simple phrase « La pomme est un fruit », ce qui est très basique comme information, mais l'article « pomme » de Wikipédia a été ainsi conçu au départ, et c'est par ses enrichissements successifs qu'il a atteint aujourd'hui son état actuel. Je ne sais pas si, Antoine, tu peux montrer l'article. Oui, alors je précise que ce n'est pas moi qui est en train de manipuler la fenêtre que vous devez voir de partage d'écran. C'est Antoine, un autre membre de l'équipe pédagogique. Donc, il arrivera que je lui parle en direct. Donc là, vous avez l'historique de l'article pomme, mais effectivement, l'article a énormément évolué. Et donc, quand on dit la pomme est un fruit, c'est une manière de dire n'hésitez pas à créer ne serait-ce que des ébauches d'articles. D'autres personnes ensuite viendront les faire évoluer. Alors, il y a une question à laquelle on peut répondre très rapidement, enfin très rapidement ou pas, mais une question de Laetitiam 10, que je vais lire à voix haute. Donc, j'ai l'impression que tous les sujets sont abordés sur Wikipédia. Reste-t-il tant d'articles à créer? Alors, pour de vrai, oui, il reste beaucoup d'articles à créer, notamment parce que sur Wikipédia, vous allez trouver beaucoup de sujets sur certains thèmes, sur certaines thématiques, et beaucoup moins sur d'autres, d'une part. Donc, par exemple, si on prend juste sur le plan géographique, vous allez trouver un article pour chacune des 36 000 communes de France. Par contre, ce n'est pas du tout le cas pour les communes d'autres pays, notamment de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud. Globalement, le monde occidental est beaucoup mieux représenté sur Wikipédia que le reste du monde. Donc rien que là-dessus, vous avez des biais sur Wikipédia, et donc il y a beaucoup, beaucoup d'articles à créer sur des sujets qui sont peut-être moins proches de la plupart des rédacteurs et rédactrices de Wikipédia, mais qui n'en sont pas pour autant moins importants. Ça, c'est d'une part, et puis d'autre part, au-delà des articles à créer, il y a beaucoup d'articles qui existent, mais qui sont largement à compléter et à améliorer, c'est-à-dire à davantage étayer avec des sources, notamment. Alors maintenant, en fait, il y a en fait maintenant beaucoup de questions qui sont apparues. Donc, je ne sais pas exactement dans quel ordre les prendre. Dans l'ordre chronologique, c'est la chose la plus simple. Oui, oui, vas-y, on peut les prendre par ordre chronologique, effectivement. Une question de Boris Raymond sur les sources primaires et secondaires. Tu veux y aller, Alexandre? La question, c'est quelle est la différence entre une source primaire et une source secondaire? Et la source primaire est censée être une source qui provient
de l'objet lui-même ou de l'acteur lui-même, tandis qu'une source secondaire est censée être une analyse. Corrigez-moi les autres si vous avez une vision un peu différente de ce qui est la différence fondamentale entre les deux. Mais la source secondaire est censée être produite par quelqu'un d'extérieur au sujet et est censée être consister en une analyse de l'événement, de la personne, du lieu, etc. Et je me souviens très bien que dans le fait, il y avait des questions sur le fait est-ce que la source est officielle ou pas. Et encore une fois, je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais pour moi, la notion d'officiel n'est pas une notion qui existe dans Wikipédia. Par contre, c'est la notion importante, c'est la fiabilité. Et il peut y avoir des sources primaires fiables, il peut y avoir des sources secondaires peu fiables, mais comment dire, la multiplicité des sources secondaires est censée garantir une meilleure fiabilité que des sources primaires en général. Vous voulez ajouter des choses? Oui, je voulais juste rajouter donc une source primaire. C'est un travail inédit. Ça va par exemple être une source statistique ou ça va être un témoignage ou ça va être l'analyse de quelqu'un mais qui n'a pas été, enfin l'analyse sur un communiqué de presse par exemple, ou ça peut émaner d'un rapport d'activité qui est publié par une entreprise sur son site web. Et les sources secondaires, elles vont se baser sur ces sources primaires en les analysant, et ensuite elles sont publiées quelque part dans un média d'audience reconnue. Et donc ça va être ça, à mon sens, la principale différence. Oui, en fait, la source primaire, c'est un matériau brut, et la source secondaire va effectivement être, comme tu dis, une analyse de ce matériau brut. Et pour reprendre la question de Boris Raymond, qui demande dans le cadre d'une mesure scientifique, j'ai l'intuition que c'est une source primaire, mais probablement qu'elle est meilleure qu'une interprétation. Est-ce que pour la science, il y a un traitement spécial? En fait, la question a aussi été posée sur le forum de Fun. Elle fait écho, je pense, à une question du quiz, à laquelle je ne vais pas répondre en public, mais de manière générale, les données scientifiques peuvent être tout à fait fiables. Hein. On ne dit pas qu'une source primaire n'est pas fiable. Une source primaire peut être fiable, peut être très fiable. Donc des données scientifiques brutes peuvent être tout à fait fiables, mais on préférera sur Wikipédia utiliser la source secondaire qui analyse ces données. Donc l'équipe de recherche ou une autre équipe de recherche que celle qui a publié les données va sans doute faire un article dans une parution scientifique, académique, faisant l'analyse de ces données. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir cette source-là sur Wikipédia que juste les données, uniquement les données. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Oui, pour illustrer ça, je vais juste illustrer ça. On a une professeure en sciences l'année dernière qui a participé à des ateliers et qui a écrit un article sur Grete Kellenberger. Elle a été interviewée, toute la famille de Grete Kellenberger et une personne avec qui elle avait travaillé qui a obtenu le prix Nobel. Elle est arrivée en cours et elle a dit « Voilà, j'ai terminé mon travail. » Elle nous a tendu les 40 pages, mettez ça sur Wikipédia. Et on lui a dit « Bah non, le travail ne fait que commencer. Là, ce que tu viens de faire, c'est un travail inédit. Et on ne peut pas publier comme ça, on ne peut pas publier ces données brutes sur Wikipédia. » Oui, on peut même rajouter que c'est la grande différence entre Wikipédia, ou plus exactement, entre une encyclopédie et une publication scientifique, c'est que l'encyclopédie, c'est qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est de deuxième main. C'est que par définition, l'encyclopédie prend ses sources dans les choses qui sont déjà publiées pour en faire des articles, tandis que la publication scientifique, elle, produit à partir d'un travail inédit, comme on dit dans Wikipédia, fait un travail de publication destiné à être pris en deuxième main. Il y a une question sur Paris Match. Est-ce que c'est une source primaire ou une source secondaire? C'est une source secondaire. Ça veut dire pour autant que c'est une source secondaire de qualité. Vous trouverez assez peu de contributeurs expérimentés,
en tout cas j'espère, qui utilise Paris Match comme une source secondaire de qualité. Donc il y a toujours une réflexion ensuite sur la qualité des sources, que ce soit des sources primaires ou des sources secondaires. C'est globalement, les sources secondaires sont préférées. Ça ne signifie pas pour autant que toutes les sources primaires sont à rejeter ou que toutes les sources secondaires sont à utiliser sans regard critique. Et après, tout dépend aussi du contexte. On n'utilise pas les mêmes sources pour tous les sujets. Il y a des sources qui sont plus compétentes que d'autres sur certains sujets. Et enfin, il y a des sources qui sont aussi orientées de manière manifeste et évidente, idéologiquement. Donc, il faut en tenir compte. Là, on aborde un petit peu le sujet de la neutralité de point de vue, c'est-à-dire que sur Wikipédia, on peut tout à fait, c'est bien expliqué dans le cours, mais on peut tout à fait faire état des opinions présentes dans les sources secondaire, mais sans pour autant privilégier l'une ou l'autre de ses opinions. Oui, et même on peut dire aussi que le fait, c'est la multiplicité des sources fiables qui peut faire la qualité de l'article, justement pour prendre en compte le problème qu'une certaine source secondaire peut avoir un problème de neutralité ou de fiabilité. Il y a une anecdote intéressante qui s'est passée dans la Wikipédia anglophone récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est que pour la première fois, il me semble, un quotidien britannique de référence, un grand média a été explicitement considéré comme une source non fiable de manière globale, c'est le Daily Mail, alors qu'on pourrait considérer que ensuite une source comme Paris Match pourrait être de qualité pour certaines choses, mais non fiable pour plein d'autres. Alors, il y a une petite question sur quelqu'un qui... Donc, je vais lire la question. Enfin, une fois essayé d'uploader une image, c'était tellement compliqué au niveau des licences et de la nécessité de prouver l'intérêt de changer l'image que j'ai fini par laisser tomber. Est-ce que ce sujet sera traité dans le MOOC ? Donc, pour répondre très rapidement, oui, ce sera traité dans le MOOC durant la cinquième semaine. Il y a tout un module sur Wikimedia Commons, donc, qui est un projet du mouvement Wikimedia, qui est la médiathèque qui héberge toutes les images, les fichiers vidéo ou encore les fichiers sons de Wikipédia. Et donc, on vous expliquera à la fois comment utiliser les fichiers qui sont sur cette médiathèque, les utiliser sur Wikipédia, les insérer avec l'éditeur visuel, et on vous expliquera aussi comment ajouter vos propres photos sur Wikimedia Commons, comment les uploader, les importer sur Wikimedia Commons. Il y a une question sur est-ce qu'il est possible de compléter un article Wikipédia à propos d'un jeu vidéo en ajoutant des astuces. Alors, que répondre à ça? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par astuce, mais Wikipédia est une encyclopédie, pas un guide pratique. Donc, le but de Wikipédia va pas être de donner des astuces pour mieux réussir le jeu vidéo ou donner la solution du jeu vidéo, enfin, si c'est des énigmes, je ne sais pas de quel jeu vidéo il est question. Terraria. Voilà, c'est pas un guide pratique, c'est avant tout une encyclopédie. Donc, tout ce qui est ce genre d'information, on les fait pas figurer. Pour ce qui apparemment c'est des astuces de craft dans un jeu vidéo, non, ça c'est pas le genre de choses qu'on fait figurer. Après, il peut y avoir tout à fait une section dans l'article sur le gameplay du jeu vidéo, c'est-à-dire comment fonctionne le jeu vidéo, en quoi il consiste, tout ça toujours avec des sources secondaires. Donc c'est pas juste le joueur qui va venir sur Wikipédia décrire quelle est son expérience de jeu et comment ça fonctionne, il faut qu'il y ait des sources secondaires au maximum en tout cas. Il y a une question sur les notes des quiz. Le MOOC fait-il la moyenne des quiz auxquels nous avons répondu? Je te laisse répondre à ça aussi, Jules. Oui, alors sur les quiz, en fait, donc il faut effectivement que vous ayez au moins 60% sur la note finale.
Donc non, ça ne suffit, parce que la question c'est le MOOC fait-il la moyenne des quiz auxquels nous avons répondu, ou si nous avons au moins un quiz en dessous des 60%, nous n'aurons de certification. Non, rassurez-vous, vous pouvez tout à fait avoir un quiz où vous avez même eu 0% si les autres quiz 0% bonne réponse. Si les autres quiz rattrapent celui-là, ça vous permettra d'avoir la certification. Sachant que c'est pas une note éliminatoire. Voilà, tout à fait, c'est pas éliminatoire, sachant que les quiz ne représentent que 50% de la notation. Les 50% restants proviennent de l'évaluation par les pairs. Donc c'est l'évaluation qui porte sur votre création d'articles, sur votre brouillon. Mais tout ça aura lieu en semaine 4, 5 et 6. Donc en semaine 4 et 5, vous rédigerez votre article. Et durant la semaine 6, vous noterez, vous évaluerez, pour être précis, trois brouillons de vos pairs, c'est-à-dire des autres apprenants. Et tout ça, ne vous inquiétez pas, de toute manière, d'une part, ce sera expliqué dans le cours lui-même, et d'autre part, on refera des sessions comme celle-ci, des sessions de questions-réponses, et on pourra vous représenter ça en direct, et évidemment répondre à vos questions. Et dans la foulée, je réponds à une question que j'ai vue, enfin, à une remarque que j'ai vue, j'essaie de la retrouver, de grand bout, sur, donc toujours sur les sources, primaire, secondaire, où Gombou souligne que pour un scientifique, les sources primaires seront toujours plus importantes que les sources secondaires. Oui, évidemment, mais nous on n'a pas du tout la même approche que les scientifiques. Les scientifiques qui visent à créer notamment du nouveau savoir, du savoir qui n'existait pas jusque-là, alors que Wikipédia, on vise à synthétiser le savoir existant. Et ça fait une énorme différence parce que quand vous créez du nouveau savoir, effectivement, si vous vous basez uniquement sur les sources secondaires, c'est-à-dire sur ce qui existe déjà, sur le savoir qui a déjà été produit par d'autres, vous pouvez difficilement créer de nouveaux savoirs. Donc les scientifiques ont évidemment besoin d'aller chercher des témoignages, de faire des expériences. Donc des témoignages, je parle plutôt pour des historiens, des expériences plutôt pour des scientifiques, sciences dures, mathématiques, physique, etc. Tandis que nous, sur Wikipédia, on ne vise pas du tout à créer de nouveaux savoirs, uniquement à synthétiser le savoir existant. Oui. Pour rebondir là-dessus, Jules, c'est aussi la différence entre une encyclopédie et une publication scientifique. C'est-à-dire qu'une encyclopédie, même autre que Wikipédia, par définition, va prendre des choses qui existent déjà. Tandis que la publication scientifique prend du travail inédit, selon Wikipédia, pour en faire une publication. Oui, tout à fait. Et je vois une question très intéressante. À chaque fois que je tombe sur un article Wikipédia de mathématiques, il est toujours très peu pédagogique. C'est beaucoup plus souvent une définition de maths qui ne tourne pas autour de l'intuition. Est-ce que c'est une nécessité rédactionnelle de ne pas aider le lecteur? Parce que j'ai pourtant vu que la pédagogie était un critère. De fait, je n'ai pas de peine à croire que les articles en question manquent de vulgarisation. En fait, tout dépend, on reviendra un petit peu là-dessus dans la semaine 4, enfin plus qu'un petit peu d'ailleurs, on reviendra là-dessus dans la semaine 4 du MOOC. Mais effectivement, normalement, les articles doivent être rédigés de la manière la plus vulgarisée possible. Après, forcément, si on est sur des sujets de mathématiques, ça devient tout de suite assez pointu. Mais notamment dans le résumé introductif, c'est-à-dire l'introduction de l'article, il faut essayer, quand on rédige, de vulgariser au maximum, c'est-à-dire de tenir compte du fait que les lecteurs qui vont consulter l'article sont probablement des personnes qui ne connaissent rien au sujet en question, et donc il faut essayer d'être le plus didactique possible. Après, il ne faut pas non plus pour autant sacrifier l'exactitude sur l'autel de la pédagogie. Voilà. Mais sur Wikipédia, effectivement, on essaie quand même dans une première partie d'être le plus didactique possible et de bien vulgariser. Et je dirais aussi que si ça concerne un certain domaine, par exemple donc les mathématiques ici, c'est quelque chose qui est certainement intéressant à faire, d'essayer de comprendre les gens qui sont dans le projet correspondant à la SEM pour savoir quels sont leurs standards à eux, et éventuellement d'en savoir plus et éventuellement de le discuter. Il y avait une autre question sur les brouillons d'Amandine Martin. Comment se fait-il que j'ai dû rajouter une ligne à mon brouillon pour pouvoir supprimer?
Ah ben c'est parce que au départ, le brouillon est vierge, donc s'il n'a pas de modification, on ne peut pas la supprimer. Oui, Donc là-dessus j'apporte une petite précision, en fait c'est partiellement de notre faute. Effectivement, si vous n'avez qu'une seule ligne d'historique, vous ne pouvez pas annuler l'unique modification qui existe, puisque l'annuler, ça reviendrait à supprimer la page. Et il n'y a que les administrateurs sur Wikipédia qui peuvent le faire. Les contributeurs ne peuvent pas supprimer d'articles sur Wikipédia. Donc il faut que, pour que vous puissiez faire ce test, il faut que vous ayez au moins fait deux modifications. Il se trouve que dans le tutoriel, il y avait un petit bug. Normalement, maintenant, si vous refaites le tutoriel, si jamais vous n'avez fait qu'une seule modification sur votre brouillon, le tutoriel va vous en faire une deuxième automatiquement, de sorte à ce que vous en ayez deux et que vous puissiez tout de suite passer à la pratique et annuler, voir comment fonctionne l'annulation. Donc, c'est un petit bug. Au début de la semaine, cette fonctionnalité n'était pas fonctionnelle, justement, n'était pas mise en place. Maintenant, c'est rectifié, donc vous pouvez refaire le tutoriel si vous le souhaitez. Ça devrait correctement fonctionner. Il y avait une question sur les articles orphelins. Gancelinien a répondu. Donc, un article orphelin, c'est un article qui n'est pas lié dans l'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il y a très peu de liens dans d'autres articles vers ce dernier. Et donc, quand on commence un article, c'est normal qu'il n'y ait pas de lien. On commence à mettre des liens internes dans l'article. Et ensuite, idéalement, par la suite, il faudrait aller dans d'autres articles pour mettre des liens qui pointent vers cet article afin de le lier au reste de l'encyclopédie. C'est aussi une façon de quelqu'un posait la question aussi, savoir quelle idée de sujet trouver, mettre dans un article ou dans l'article qu'on est en train d'écrire des liens vers un concept ou un événement ou une personne qui n'existe pas encore et donc qui s'affichera en rouge dans l'encyclopédie. C'est aussi une façon de réclamer qu'un article sur ce sujet soit créé, qu'il existe si je ne me trompe pas, et il existe des listes d'articles qui sont réclamés par le plus grand nombre de liens rouges qui leur sont consacrés. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit en fait. C'est-à-dire qu'on peut trouver une idée de sujet en regardant la liste des articles à créer, demandés par des liens présents dans les autres articles. Oui, effectivement, il existe des listes d'articles à créer, notamment une liste qui part du nombre de liens vers l'article à créer, qui sont déjà faits, le nombre de liens qui sont déjà faits dans Wikipédia. De toute manière, ces listes-là, nous vous en reparlerons dans la semaine 4 également, puisque dans la semaine 4, nous allons vous donner quelques conseils pour trouver une idée d'article pour ceux qui s'inquiètent de cet aspect. On vous guidera hein, pour vous aider à trouver des listes d'articles à créer. Et là, je vois une question de Grandbout qui dit, mais est-ce que d'aller mettre des liens dans un autre article, c'est pas un peu intrusif? Alors non, parce que les articles, une fois qu'ils sont publiés, n'appartiennent à personne. C'est le principe de la construction d'un savoir collaboratif. On a le droit, on peut aller changer les articles qui ne sont pas aux autres et qui ne sont pas à soi non plus. Un article publié, il est publié, il est dans le domaine public, tout le monde peut aller le changer et le modifier. Oui, c'est une remarque qui est souvent faite par les contributeurs qui débutent, effectivement. Il y a souvent cette appréhension et cette gêne, entre guillemets, d'aller modifier les articles des autres. Mais il faut surtout pas l'avoir, il faut bien comprendre que c'est le principe même de Wikipédia et que aucun contributeur ne s'offusquera que l'on modifie son article. Et si jamais il le fait, si jamais il s'offusque, il y a un peu de chance, mais si jamais il le fait, c'est à tort. Sur Wikipédia, on a clairement des recommandations qui indiquent que un article ne vous appartient pas si vous le créez. Vous créez un article, mais ensuite il va vivre sa propre vie, entre guillemets, et être amélioré par d'autres. Donc ne pas hésiter à aller modifier les articles des autres, enfin qui ont été créés par d'autres personnes,
Et si jamais vous hésitez un petit peu au début, ou en tout cas que vous n'êtes pas sûr de la modification que vous voulez apporter, vous n'êtes pas sûr qu'elle est pertinente, vous pouvez toujours aller sur la page de discussion de l'article pour suggérer des modifications ou pour poser des questions. Voilà, ça on l'explique dans le cours, hein, comment intervenir sur la page de discussion d'un article. Je crois qu'on revient dessus plus en détail dans la semaine 3, donc la semaine prochaine, dans la prochaine semaine de cours. Vous aurez plus d'informations là-dessus sur la modification un peu plus avancée des pages de discussion, des articles. Voilà, les pages de discussion des articles, hein, puisque je rappelle que chaque article possède sa propre page de discussion. Oui, et effectivement, la plupart des gens qui contribuent à un certain article ont mis cet article dans leur et sa page de discussion aussi, donc dans leur liste de suivi, et que donc poser une question sur la page de discussion d'un article, c'est aussi poser une question à tous ceux qui s'intéressent à cet article parce qu'ils y ont contribué. Donc c'est une manière d'en savoir plus. Et je rebondis aussi sur une autre question, qui est si on veut contribuer en des articles peu développés ou non encore sourcés convenablement, existe-t-il un moyen ou une méthode pour les débusquer? Je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose s'il existe un bandeau sur un article promotionnel ou source, on ne cite pas suffisamment ses sources, ça donne envie de l'améliorer. Et il existe, de même qu'il existe des listes d'articles à créer, il existe des listes d'articles qui ont le bandeau non promotionnel ou une liste d'articles qui ont le bandeau insuffisamment sourcé. Donc, dans ces listes, c'est une bonne chose pour trouver des endroits où on demande à améliorer. Une question intéressante sur comment est-ce qu'on sait comment un sujet est admissible. Alors, je me permets d'interrompre Natacha, juste pour compléter un petit peu ce qu'a dit Alexandre. Antoine va vous montrer effectivement les catégories, notamment d'ébauche, et les catégories de maintenance qui permettent de visualiser tous les articles qui, par exemple, sont associés ou bien sont rédigés de manière publicitaire. Donc là, c'est la catégorie maintenance. Alors, on ne vous a pas trop parlé des catégories pour l'instant. Pour faire très simple, les catégories recensent des articles. Voilà, on peut faire plein de catégories différentes sur Wikipédia et mettre les articles dans des catégories, les classer selon des catégories. C'est une arborescence catégorie. On y reviendra dans le cours de manière beaucoup plus détaillée. Et donc, vous pouvez voir un petit peu toutes les catégories de maintenance. On a notamment une catégorie de maintenance qui, malheureusement, est assez riche en articles, qui s'appelle « articles à sourcer ». Et dedans, vous avez toutes les pages qui manquent de sources. Donc là, Antoine vous montre la catégorie, les catégories de débauche. Vous avez des listes d'ébauches sur le thème, donc des ébauches sur des personnalités, des ébauches sur la science, des ébauches sur la société, la chimie, etc. Voilà, donc tout ça, vous allez au fur et à mesure apprendre à naviguer dedans et vous pouvez trouver autant d'articles que vous voulez améliorer, c'est pas du tout ça qui manque. Je te laisse du coup enchaîner, Natacha, sur la question que tu abordais. Alors donc, comment savoir si un sujet est admissible? Eh bien, il faut qu'il ait l'admissibilité est prouvée par les sources. C'est pour ça qu'on insiste autant sur les sources. Et pour être admissible, un sujet doit être l'objet de deux sources secondaires distantes de 2 ans et publiées dans des médias d'audience internationale ou nationale. Voilà, donc il y a soit des critères généraux qui sont ceux que je viens d'énoncer, ou des critères spécifiques. Là, il faut aller consulter dans les pages dédiées. Et pour compléter, donc ça, de toute façon, on vous en reparlera en semaine 4, hein, avant que vous créiez un article, puisqu'on ne va pas vous laisser commencer à rédiger un article sans que vous ayez pu voir en détail quels sont les critères. Et juste une petite précision, il faut que quand Natacha parle de deux sources d'envergure nationale, les sources secondaires étalées sur au moins 2 ans. D'une part, il faut que ce soit des sources centrées sur le sujet. C'est-à-dire que si elles évoquent juste le sujet mais sans s'appesantir dessus, ça ne fonctionne pas. Et si on demande à ce qu'elles soient étalées sur au moins 2 ans, c'est pour éviter les
les sujets, ce qu'on appelle les sujets buzzesques, c'est-à-dire qu'ils font le buzz quelque temps, mais qui font l'actualité, qui peut-être sont la une des médias, mais qui vont pas durer très longtemps, et dont on sait qu'ils n'auront pas de notoriété dans la durée, dans le temps. Éphémère. Éphémère, tout à fait. Et puis Laetitia m'avait posé aussi une question, peut-être que tu peux répondre, juste comment est-ce qu'on peut éviter, comment est-ce qu'on fait pour éviter que plein d'articles polluent l'encyclopédie? Alors, puisque je sais que tu patrouilles, peut-être que tu peux nous répondre à ça plus précisément, comment tu fais pour nettoyer l'encyclopédie des articles qui n'ont pas Oui. leur place? Tout à fait. Donc en fait sur Wikipédia, il y a ce qu'on appelle la patrouille RC, donc RC pour Recent Changes, désolé pour mon accent en anglais, donc ça veut dire modifications récentes. Donc ce sont des contributeurs bénévoles qui surveillent Wikipédia en temps réel, donc 24 heures sur 24 ou presque, puisqu'on a des contributeurs qui sont partout dans le monde, donc potentiellement sur tous les fuseaux horaires, et quand il fait nuit par exemple en Europe, il fait encore jour au Canada, au Québec, et donc il peut patrouiller tout le temps. Donc j'en fais partie à titre bénévole, et on a un petit logiciel qui nous permet de surveiller les modifications en temps réel, et notamment les créations de nouveaux articles, mais aussi tout simplement les modifications qui sont faites dans les articles existants. Et donc c'est comme ça qu'on vérifie tout simplement si déjà, alors au-delà même de l'admissibilité des sujets, vous avez beaucoup de créations qui sont en fait des tests, des contributeurs qui veulent juste tester comment fonctionne Wikipédia, donc ce sont des maladresses, donc ça on les supprime tout de suite. Vous avez également ce qu'on appelle des vandalismes, donc là ce sont des modifications, des créations d'articles faites à mauvais escient dans le but de dégrader sciemment Wikipédia, et elles sont souvent l'œuvre de lycéens. Pas de lycéennes. De lycéens et de lycéennes, bien sûr. Et je ne sais plus ce que je disais du tout. Donc voilà, et après effectivement on vérifie aussi, au-delà de ces cas de maladresse et de vandalisme, on vérifie aussi si le sujet entre dans les critères d'admissibilité, donc sur les articles restants qui viennent d'être créés, est-ce qu'ils sont conformes aux critères d'admissibilité. Cette vérification se fait pas forcément dans les 5 secondes qui suivent la création de l'article, contrairement aux vérifications sur le vandalisme et sur les maladresses. Et là on a des listes de création d'articles, qui elles sont consultables en permanence, et que tous les contributeurs, hein, pas seulement les patrouilleurs, que tous les contributeurs peuvent aller voir et tout simplement vérifier si le sujet est conforme ou pas. Sachant que soit le sujet n'est pas du tout conforme aux critères d'admissibilité, c'est totalement évident, il n'y a aucun doute là-dessus, dans ce cas-là, l'article va être supprimé immédiatement, ce qu'on appelle une suppression immédiate, abrégé SI. Ou bien alors, il y a un débat sur l'admissibilité, on n'est pas trop sûr, et dans ce cas-là, on va lancer une discussion, une proposition de suppression de l'article. Donc là, Antoine vous montre à l'écran la liste des nouvelles pages créées, donc vous pouvez voir là la page la plus récente date de 21h14 heure de Paris, c'est-à-dire il y a 2 minutes. Donc là, vous voyez absolument toutes les pages qui ont été créées récemment. Et donc on peut créer voilà des débats de suppression pour proposer la suppression d'une page, et le débat court sur 2 semaines. Ça, pareil, on va vous en reparler en semaine 3. Et puis vous aurez également durant la semaine 6 des portraits de six contributeurs expérimentés, contributeurs et contributrices. Et il y a notamment une patrouilleuse, donc une contributrice qui a l'habitude de patrouiller, qui ne fait pas partie de l'équipe pédagogique et qui explique un petit peu en quoi ça consiste de patrouiller. À propos des débats sur l'admissibilité, du coup, moi, je voudrais rebondir. Il me semble avoir vu plusieurs fois des questions à propos de est-ce que c'est admissible de traduire des articles Wikipédia d'une autre langue, souvent en anglais, en un article Wikipédia en français. Et la réponse, c'est oui. C'est quelque chose de valide que de créer un article parce qu'on considère qu'il existe et il est de qualité dans une autre langue. Dans la mesure où les critères d'admissibilité dans la Wikipédia francophone rendent cette création d'article compatible, parce que les critères d'admissibilité
d'une Wikipédia à l'autre ne sont pas forcément exactement les mêmes non plus. Rappelons qu'effectivement que chaque version linguistique de Wikipédia fonctionne de manière indépendante avec sa propre communauté et donc de fait les critères d'admissibilité ne sont pas les mêmes et Wikipédia anglophone a globalement des critères un peu plus laxistes que Wikipédia en français. Et c'est aussi un éternel débat sur, entre les inclusionnistes et les suppressionnistes de savoir est-ce qu'une encyclopédie a vocation à rassembler l'ensemble de la connaissance et donc de pouvoir créer des articles sur le plus de choses possible, ou au contraire qu'il existe une frontière et que à ne pas dépasser qui constituerait d'un côté ce qui est encyclopédique et de l'autre ce qui ne l'est pas, ce qui est éphémère, par exemple, comme tu disais. Et cette frontière, elle n'est pas facile à définir et qu'elle n'est pas forcément exactement la même d'une Wikipédia à l'autre. Alors, bon, les inclusionnistes, suppressionnistes, c'est beaucoup moins d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, la communauté était assez divisée, parfois un petit peu, on avait l'impression, schématiquement, en deux camps, l'un étant plus favorable à l'ouverture de l'encyclopédie à de nombreux articles, et l'autre plus strict sur la définition de ce qui est encyclopédique ou non. Mais ce débat est moins prégnant aujourd'hui. Il y a une question sur les phonés. Est-ce que Natacha, tu souhaites répondre, ou est-ce que tu veux que je fasse? J'ai répondu par écrit, mais peut-être que tu peux compléter, parce que je cherchais un exemple et je n'en trouvais pas. Donc, certains contributeurs, certaines contributrices se créent un deuxième compte pour un usage bien spécifique et qui est en général déclaré, sinon ce n'est pas vraiment accepté. Parfois pour faire des tests, et c'est là où. Jules, je te laisse la parole parce que un exemple ne me vient pas à l'esprit juste là maintenant. Oui, donc un phoné, effectivement, c'est un deuxième compte sur Wikipédia. Globalement, c'est tout à fait autorisé d'avoir un phoné à condition de le déclarer, c'est-à-dire de préciser sur sa page utilisateur, sa page de présentation, qu'on a un deuxième compte, préciser lequel, et sur le deuxième compte en question, préciser quel est le premier compte. Voilà. Souvent, quand on parle de phoné, c'est parce qu'on parle de phoné illicite, c'est-à-dire de la mauvaise utilisation des phonés, c'est-à-dire des personnes qui créent plusieurs comptes pour intervenir par exemple sur une même page et sur un même article pour faire un effet de masse. Et ça, c'est tout à fait interdit. Ça se rencontre parfois sur des sujets assez polémiques venant donc de. Ce sont pas des contributeurs expérimentés qui font ça, hein, ou alors c'est assez grave, mais ce sont plutôt des personnes extérieures qui n'ont pas l'habitude de contribuer sur Wikipédia et qui viennent vraiment pour faire. J'ai envie de dire presque du lobbying pour faire entendre leur opinion. On a notamment eu le cas, par exemple, sur le conflit israélo-palestinien, ou bien sur les organismes génétiquement modifiés. Ce sont des sujets de société qui font débat, hein, dans la société, et du coup, parfois, il y a des abus sur Wikipédia en lien avec ça. Voilà, mais après, en tant que contributeur débutant, a priori, vous n'avez aucune raison d'avoir besoin de phoner. Donc là, Antoine vous montre un petit peu la page de règles de Wikipédia qui régit les phonés, qui explique dans quel cas ils sont acceptés et dans quel cas ils sont totalement proscrits. Une autre chose du même style qui est considérée comme une mauvaise pratique à l'intérieur de Wikipédia, c'est donc en phoné en anglais, c'est sock puppet, une marionnette. Et là, je connais le mot en anglais, mais je ne connais pas en français. C'est le meat puppet, c'est le fait de rameuter des gens, donc c'est-à-dire ce sont d'autres êtres humains, ce n'est pas des phonés, et pour que, par exemple, dans le cadre d'un vote ou le cadre d'une discussion, il y a l'air d'avoir plusieurs personnes du même avis que soi, et ce qui est une pratique qui est un peu différente du phoné, mais qui a un peu les mêmes objectifs, qui est de créer un effet de masse. Vous savez comment on dit meat puppet en français? A priori, il n'y a pas de terme consacré en français, mais donc ça désigne le fait de faire appel à non pas à des contributeurs réguliers, mais à des personnes extérieures pour faire un effet de masse sur Wikipédia. Il n'y a pas Oui, de terme d'accord, ok. consacré a priori.
Vas-y, je t'en prie. Non, c'était pour dire à deux frères nous qu'on va aller regarder si Guillemin, s'il est légitime que Guillemin figure au chapitre personnage célèbre et ont servi au premier bataillon de chasse. Mais je vais pas le faire moi parce que je risque de me mélanger entre les diverses fenêtres. Donc on va poser la question sur le chat IRC et on revient vers vous avec une réponse. Oui, on va laisser quelqu'un regarder pour l'instant. Alors je regarde les autres questions qui sont posées. Alors il y a donc Amp3A qui vous donne un exemple de phoné qui est utilisé sur Wikipédia. Il y a une question, comment fait-on pour répondre directement à un commentaire écrit dans la page discussion d'un article? Donc, j'ai bien compris la question, il faut aller dans la page discussion de l'article et modifier la page. La manière de répondre, comment dire, la forme rhétorique et technique de dialoguer, c'est de écrire un paragraphe sous le paragraphe auquel on répond, en rajoutant un symbole de point pour faire une indentation, c'est-à-dire pour décaler un peu son paragraphe, pour comprendre que quand il apparaîtra, ça sera à la suite du commentaire précédent. Je ne sais pas si c'est bien, si je réponds bien à la question, si c'était bien ça, c'était Sabine, je crois, qui pose cette question. En tout cas, on représentera exactement la manière, il y aura un tutoriel là-dessus dans la semaine 3 sur comment répondre dans une page de discussion, notamment comment notifier un autre contributeur ou une autre contributrice. Donc, pour que la personne soit notifiée du fait que vous lui avez écrit un message. Ça, ce sera présenté dans la troisième semaine. Alors, il y a une question. Malgré vos conseils, je me suis planté dans mon pseudo wiki, pas celui de Fun. Est-ce réparable? Vous laissiez entendre que cela était très difficile. Alors Antoine, je ne sais pas si tu peux montrer la page aide renommage au compte utilisateur. Donc il est possible de demander le renommage de son compte. Quand on dit que c'est très difficile, on le dit surtout pour que les gens fassent attention à leur compte et qu'ils ne soient pas trop nombreux ensuite à vouloir le renommer. Pour de vrai, c'est pas si compliqué que ça. On essaie juste de vous inciter à choisir un bon pseudo dès le début. Vous êtes simplement donc la page aide, changer de nom d'utilisateur, puis vous avez un lien, celui sur lequel pointe actuellement Antoine. Vous cliquez dessus, ça va faire apparaître une page spéciale dans laquelle vous pouvez inscrire le nom d'utilisateur que vous souhaitez obtenir à la place de l'actuel. Et ensuite, c'est une demande qui va être transmise à une catégorie de contributeurs de Wikipédia qui ont qu'on appelle des renommeurs globaux et qui ont le pouvoir technique de renommer les comptes utilisateurs. Voilà. Donc, ce sera ensuite fait sous quelques heures, maximum une journée, votre compte sera renommé. Donc, pour rappel, pour retrouver ce processus-là, vous tapez dans la barre de recherche aide.renommer un compte utilisateur. Si vous tapez juste aide.renommer, vous allez voir apparaître la page dans les suggestions. Voilà, c'est le nom de la page précise, c'est aide changer de nom d'utilisateur. Je vois une question de Marie qui pose s'il existe un outil, on en a déjà parlé des sources tout à l'heure, mais s'il existe un outil pour bien distinguer une source primaire d'une source secondaire. Moi, je pense que si on a un exemple précis, c'est le genre de question qu'on peut poser sur le forum de Fun pour demander l'avis de toute la communauté, d'une part, mais aussi de l'équipe enseignante sur pour avoir un avis circonstancié sur est-ce que c'est une source primaire ou une source secondaire, et si on a c'est plus facile à répondre sur des exemples indéterminés.
de manière générale, n'hésitez pas à user et même abuser du forum Fun, à poser vos questions dessus et surtout à participer, à répondre aux questions de vos pairs. C'est très important. Nous, on est heureux de voir quand il y a un débat qui s'enclenche ou que les gens se répondent et réfléchissent ensemble à une question. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, nous, après, on peut toujours venir pour repréciser, pour corriger s'il y a une réponse fausse qui a été donnée. Hein. Ça peut arriver, c'est pas du tout grave. On reprécisera derrière, mais n'hésitez pas. Oui, et surtout sur un sujet aussi peu évident de pouvoir faire la limite, de considérer qu'est-ce qui est fiable ou pas, de considérer qu'est-ce qui est primaire ou secondaire, etc. Alors, il y a deux questions sur le live. Et après, j'enverrai sur une petite question au sujet des traductions et des sources depuis d'autres langues. Le live que vous voyez actuellement est enregistré, donc il sera rediffusé sur la chaîne YouTube du Wikimook. On vous donnera le lien de la chaîne YouTube et de la rediffusion dans la section du forum sur ce sujet-là, sur ce live, et puis dans le prochain mail qu'on vous enverra. Par contre, il n'y aura pas de rediffusion des textes et des questions, donc des questions qui sont posées. Voilà. Oui, alors vous verrez apparaître les discussions dans le chat sans doute, mais peut-être qu'on les masquera, je sais pas, pour des raisons de droit d'auteur, de vie privée. Bon, je sais pas encore exactement. En tout cas, vous aurez de toute manière le son et l'image de ce qu'on vous a montré sur l'écran. Et comme on a lu les questions à voix haute, normalement, ce sera facilement compréhensible pour les gens qui visionneront après coup. Et du coup, il y a une petite question de Marie. Pouvons-nous compléter un article en français en prenant des informations et des sources déjà éditées par d'autres contributeurs dans d'autres langues? C'est-à-dire reprendre les informations et les sources depuis d'autres articles Wikipédia dans d'autres langues. Est-ce que je peux vous laisser répondre, Natacha ou Alexandre? Oui, Alexandre, tu veux répondre ou enfin, il y a un outil de traduction, donc on peut traduire tout un article d'une langue vers une autre. Il y a une fonctionnalité, je ne sais pas si on peut la montrer à l'écran. Il faut aller dans bêta et puis cliquer sur traduction. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'avoir le texte dans une langue à gauche et le texte dans l'autre langue à droite. Et il y a même une fonctionnalité de Google Translate, que moi je déteste. Mais bon, ça permet de garder la structure de l'article, les liens, les références. Bon, faut quand même aller vérifier derrière parce que parfois elles apparaissent pas très bien. Et c'est assez pratique au début quand on connaît deux langues mais qu'on ne sait pas encore bien comment mettre en forme un article. Par contre, ça ne dispense pas de vérifier les références parce que si un article dans une autre langue n'est pas sourcé comme il faut, à ce moment-là, vous risquez d'avoir des remarques en français. Et sinon, oui, on peut traduire aussi des petits bouts de passage d'un article. Et évidemment, il faut bien faire attention à ce qu'on traduit soit sourcé. Et il faut aussi mentionner le droit d'auteur, c'est-à-dire que vous devez mentionner si vous avez traduit un bout de l'article à l'aide d'un petit bandeau qu'on met en général sur la page de discussion. Et pour compléter la réponse, ce qu'on disait tout à l'heure aussi, il faut aussi faire attention à ce que l'article dans une certaine langue est admissible dans lequel on compte l'importer. Par exemple, moi j'ai eu une étudiante qui a fait des modifications sur une personne dans la Wikipédia en biélorusse, sur un mathématicien biélorusse, et elle n'avait pas spécialement l'ambition d'en faire un article dans la Wikipédia en français, mais il est probable que la notabilité dans la Wikipédia en biélorusse d'un mathématicien biélorusse est supérieure à sa notabilité dans la Wikipédia en français, sauf s'il a une aura internationale, évidemment. Par ailleurs, quand on dit qu'il faut effectivement vérifier les sources, donc ça inclut de vérifier qu'il y a bien des sources dans l'article dans l'autre langue.
aussi de vérifier le contenu des sources, c'est-à-dire de vérifier que ce qui est indiqué dans l'article, par exemple de Wikipédia en anglais, correspond bien à ce qui est indiqué dans la source. Parce que des contributeurs de Wikipédia en anglais ont bien pu faire une erreur dans la retranscription des sources. Et c'est vous qui créez l'article sur Wikipédia en français, donc c'est vous qui serez responsable de ce que vous publiez. Donc c'est important de... Donc faire une traduction, c'est pas plus rapide forcément que écrire un article depuis zéro. C'est il y a tout autant de travail, si ce n'est qu'on a déjà des suggestions de sources, mais c'est tout autant de travail. Et il y a une question de Boris Raymond et que j'ai pas très bien compris. Beaucoup d'articles à créer ont un lien vers l'article anglais. Est-ce que nous pouvons faire quand même ces articles-là durant l'exercice des semaines 4-5? Donc j'imagine que ce qui existe, c'est l'article dans une autre langue et qu'à ce moment-là, il faut le traduire. Donc dans ce cas-là... Oui, il est tout à fait... vous pourrez tout à fait, c'est reprécisé dans le cours des semaines 4 et 5, mais vous pouvez tout à fait traduire un article existant pour le Wikimook. Hein. C'est juste qu'il faudra appliquer tout à fait les mêmes règles, donc de vérifier l'admissibilité, comme le disait Alexandre juste avant, vérifier l'admissibilité du sujet en français, mais absolument rien ne s'oppose à ce que vous traduisiez un article depuis notre langue plutôt que le créer à partir de rien. Après, c'est vrai que c'est bien de traduire un article, mais personnellement, je conseillerais quand même d'essayer de faire un article de A jusqu'à Z parce que ça vous apprend à mettre en forme, à rajouter les sources. Parce que si vous traduisez un article avec l'outil de traduction, ça va vous le faire tout seul ou vous ne l'apprendrez pas. Mais bon, avis tout à fait personnel. Oui, moi, je ne sais pas si on. Moi... entends bien, mais là j'ai eu des problèmes à t'entendre, Natacha. Oui, ça vient de la connexion internet de Natacha qui semble faiblir un petit peu. Oui, on t'entend de manière très métallique, avec une voix très métallique, Natacha, ça coupe un petit peu tes propos. On a quand même compris ce que tu disais. Il y a eu un échange, j'ai l'impression, sur le chat, et GC, donc Grand Célinien, qui est un membre de l'équipe pédagogique, qui est un petit peu... répondu et qui soulignait, je fais une synthèse de ce qu'il a dit très rapide, qui soulignait que des sources de presse d'il y a plusieurs siècles, par exemple du 18e, du 19e siècle, ne sont pas forcément considérées et sont rarement considérées comme des sources secondaires et sont plutôt des sources primaires comme toutes les sources historiques assez anciennes. Pour traiter d'un sujet, les connaissances de l'époque ne sont pas forcément celles d'aujourd'hui, donc on considère que ce sont des sources primaires et non pas des sources secondaires. Et, d'ailleurs, elles vont servir de matériaux, ces anciennes sources de presse, ces documents historiques vont servir de matériaux pour les historiens, qui eux vont produire des sources secondaires sur ce sujet. Comme Grand Célinien. Tout à fait, puisque Grand Célinien est historien. Et oui, et il nous fait un petit sourire dans le chat. Mais je voulais juste dire une petite chose à propos de la traduction d'articles de certaines Wikipédia dans d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez ce détail, mais quand vous regardez la liste des Wikipédia qui ont le plus d'articles, évidemment, les premières, c'est Wikipédia en anglais, dans les langues les plus parlées au monde. Mais il y en a une qui est dans les premières, qui est Wikipédia en Cebuano, qui est une langue des Philippines, et dont la majeure partie de l'article a été créée par des robots, parce que le nombre de contributeurs humains en Cebuano est faible. Ces robots, si je me souviens bien, c'est d'un utilisateur suédois qui a fait la même chose dans la Wikipédia suédoise, en suédois, consiste à créer une page d'article pour chaque espèce du monde animal, du règne animal ou du végétal connu, afin d'être ensuite complété par des humains comme des ébauches, comme dont on parlait comme
comme la pomme est un fruit. Et donc en l'occurrence, c'est même une procédure qui est parfois automatisée que d'essayer d'importer des articles d'autres langues dans certaines Wikipédias, particulièrement dans les Wikipédias qui correspondent à des langues qui n'ont pas beaucoup de locuteurs, mais qui veulent avoir une existence, avoir une masse critique. Une question, je vais la lire. Alors, si je la retrouve, oui. Comment a-t-on la liste des contributeurs qui ont le plus d'articles? Alors, on n'a pas de liste des contributeurs qui ont créé le plus d'articles. On a une liste des contributeurs qui ont fait le plus de modifications, mais il faut bien avoir conscience que modification, ça peut tout à la fois être corriger une faute d'orthographe, ou bien écrire un article en entier. Donc le nombre de modifications n'est pas forcément le plus parlant, mais là, vous pouvez voir sur votre écran, Antoine a affiché la liste des Wikipédiens par nombre d'éditions. Vous avez les 1000 contributeurs qui ont fait le plus de modifications sur Wikipédia. Donc le contributeur qui a fait le plus, il s'appelle Paul Marr, et il rédige très peu d'articles, si ce n'est aucun. J'ai peur de dire de bêtises, mais a priori il rédige très peu d'articles. D'ailleurs, Vlam, le deuxième contributeur, c'est pareil. Ils font surtout de la maintenance. Donc, par exemple, modifier les catégories des articles, c'est-à-dire dans quelle catégorie va être classé un article. Donc, ils font beaucoup de maintenance. Et voilà. Et vous avez à l'inverse des contributeurs qui ont créé plusieurs milliers d'articles. Et pour ceux qui en ont créé le plus, ça va jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'articles. Là, je parle de Wikipédia en français. Évidemment, sur ce qu'évoquait tout à l'heure Alexandre, vous avez d'autres Wikipédia, d'autres versions linguistiques de Wikipédia, où ce sont des bots, donc des robots informatiques qui créent des articles à la chaîne. Et là, vous atteignez des centaines de milliers d'articles. Oui, je ne sais pas si Pierre Raymond, comme il me nomme dans sa question, si, bon, je parlais en fait de listes de Wikipédia, d'encyclopédies Wikipédia, qui ont le plus d'articles. Je parlais pas de contributeurs. Oui, effectivement, ouais, peut-être qu'il y a eu un lapsus à l'écrit. Antoine a montré juste avant la liste des Wikipédia par nombre d'articles. Est-ce que tu peux peut-être la remontrer, Antoine, s'il te plaît? Donc Wikipédia en français, j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble qu'on doit être les 7e, 6e. Il n'y a pas si longtemps, on était effectivement plus en avant dans le classement. Mais depuis que les Néerlandais ont créé des articles à la chaîne. On est moins bien placé. On a environ sur Wikipédia en français, on a 1,852,000 articles. Me souffle-t-on à l'oreille. Alors, il y a une question sur, je voulais lire, que faut-il comprendre entre bon article, article labellisé, article de qualité, article du jour? Alors, je crois que ça a été un petit peu répondu dans le chat, mais je vais le répéter à l'oral. Donc, bon article et article de qualité, ce sont deux labels. C'est le nom de ces deux labels. Donc ce sont des articles labellisés, hein, par définition du coup, ce sont des labels qui s'obtiennent par un vote de la communauté, qui dure un mois, respectivement 2 semaines et 1 mois si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est en fait une liste de critères, de forme et de fond, qu'il faut respecter. Et donc un contributeur qui a beaucoup avancé dans la rédaction d'un article précis,
peut se dire, bon, je pense que j'ai traité le sujet en question de manière exhaustive. Mon article est bien présenté, il respecte les conventions typographiques de Wikipédia, il a une bonne structure, il est bien illustré. J'aimerais qu'il ait le label bon article ou le label article de qualité. Donc le label bon article, c'est le moins bon entre guillemets des deux labels, et le label article de qualité, c'est le meilleur. On les abrège respectivement BA et ADQ, ce sont leurs acronymes. Et ensuite, il y a un vote de la communauté. En général, il y a une douzaine de personnes qui votent pour chaque proposition. Et il faut savoir qu'il y a en tout, je dirais, 2000 à 3000 articles labellisés. Donc sur 1 800 000, sur plus d'1 800 000, c'est très très peu en pourcentage. Et quant aux articles du jour, ce sont des articles qui viennent d'être labellisés, ou qui ont été labellisés il y a un peu plus de temps, mais en général ce sont ceux qui viennent d'être labellisés et qu'on met en page d'accueil de Wikipédia, qui est la page la plus consultée de Wikipédia, tout simplement pour les mettre en valeur, hein, puisque ce sont des articles de bonne facture, voire de très bonne facture. Et je ne sais pas si c'est ton contrôle, mais il me semble que ces labels, d'une part, ils ne sont pas forcément les mêmes au point de vue des critères, encore une fois, d'une Wikipédia à l'autre, mais aussi, les critères, ils changent ils ont changé au cours du temps, ce qui fait qu'un article qui avait un label à un certain moment, s'il n'a pas changé, peut se retrouver rétrogradé à une catégorie en dessous. Je me trompe ? Excuse-moi, je t'ai pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce que tu peux répéter juste la fin ? Ce que je voulais dire, les critères pour être de qualité ou bon article ont évolué au cours du temps, qui sont de plus en plus sévères, et qu'un article qui a été à une certaine époque de qualité, s'il n'a pas évolué, peut être rétrogradé à un niveau inférieur. Alors, d'une part ça, effectivement, les critères varient dans le temps, et il est logique qu'ils soient qu'ils aient évolué en étant de plus en plus sévère, je cherche le mot. Parce que c'est le mouvement général sur Wikipédia, au tout début de Wikipédia, on ne demandait même pas de source, c'était très, très laxiste. Voilà, c'est ça. Ça a beaucoup évolué. Et d'autre part, il y a des articles sur des sujets qui ne sont pas fixes, c'est-à-dire des sujets qui sont amenés à évoluer. Par exemple, sur une série télévisée, parfois il y a un article qui peut être labellisé sur une série télévisée alors que celle-ci n'est pas encore terminée. Et donc dans ce cas-là, forcément, il va falloir mettre à jour l'article, et si celui-ci n'est pas mis à jour, quelqu'un peut remettre en cause le label. Donc là, Antoine vous a affiché le nombre d'articles. Vous avez 4000 contenus labellisés. Dont 1500 articles de qualité et 2600 bons articles. Donc ça représente un pourcentage infime des articles de Wikipédia. Ce qui ne signifie pas que tous les articles soient forcément mauvais. Hein. Vous pouvez avoir de très bons articles qui n'ont pas été labellisés. Une question de Marie sur est-ce qu'il y a des robots sur Wikipédia en français ? Et est-ce qu'il y a des robots qui créent des articles à la chaîne ? Ça, j'avoue que je ne sais pas, mais effectivement, en tout cas, ce que je peux dire comme introduction à la réponse, c'est que les robots d'une Wikipédia ne sont pas forcément les robots d'une autre. Il peut y avoir des robots qui existent dans plusieurs Wikipédias, qui sont importés dans Wikipédia, mais leur définition, leur maintenance, elle est propre à une certaine Wikipédia. Allez-y. Oui, en l'occurrence, à ma connaissance, il n'y a pas de robot qui fonctionne sur Wikipédia en français. Alors, attention, pas Wikipédia France, hein, Wikipédia en langue française. Après, il y a pu avoir des robots qui ont fonctionné de manière très temporaire pour créer des articles de manière automatisée, on va dire, mais c'est vraiment de manière très temporaire. Et pour donner un exemple de robot, le robot le plus connu peut-être sur Wikipédia en français, c'est Zalbot, sa fonction n'est pas de créer des articles, mais de supprimer des vandalismes pour aider les patrouilleurs, si je ne me trompe pas. Tout à fait, donc Zalbot. Et
pour compléter un petit peu ce que je disais juste avant, Antoine me précise à l'oreille que notamment il y a un robot qui a été utilisé pour créer non pas les communes de France, comme je le vois suggéré dans le chat, parce que les communes de France, il y a entre guillemets que 36 000 communes en France, et l'article était déjà créé depuis longtemps, entre guillemets. Par contre, un robot a été utilisé il y a quelques mois pour créer la chaîne des astéroïdes, des articles sur des astéroïdes. Un dresseur de robots, pour répondre à Pierre Raymond, si je ne me trompe pas, c'est le contributeur ou la contributrice qui a créé le robot et qui ensuite l'a soumis à la communauté. Et une fois que le robot et son fonctionnement est validé, alors il a son propre compte utilisateur. L'humain qui l'a créé en chargé de sa maintenance, je suppose. Oui, c'est tout à fait ça. Alors sur Wikipédia, on aime bien avoir un jargon un petit peu folklorique. On parle de dresseur de bots. Bon, en fait, c'est un développeur, c'est un contributeur qui a développé le programme informatique qui fait fonctionner le robot. Donc là, vous avez Antoine vous a affiché la page utilisateur de sa bot, donc qui est un robot. Et qui est le robot qui s'occupe, voilà, qui est un robot méchant, hein, qui contrevient aux trois lois de la robotique. Pour ceux qui connaissent, ce sont les lois qui indiquent, alors je ne les connais pas dans l'ordre, mais qui indiquent, vous pouvez consulter l'article Wikipédia sur le sujet, mais qui indiquent qu'un robot ne doit pas faire de mal à un humain, doit obéir à son créateur, etc. Ce robot-là s'occupe effectivement de vérifier toutes les modifications récentes et il annule automatiquement, sans intervention d'humain, les modifications récentes les plus suspectes. Donc il a des algorithmes qui permettent de vérifier ça. Notamment, il va repérer tout ce qui est grossièreté et injure. Donc parfois, il est amené à faire des faux positifs, hein, parce qu'il peut y avoir des grossièretés, par exemple, dans une citation, ce qui est tout à fait justifié, dans une citation sur un article tout à fait sérieux. Il peut aussi repérer quelqu'un qui blanchit totalement un article. Ça, il va l'annuler tout de suite. Un humain n'aura même pas le temps d'intervenir, ça sera fait dans la seconde qui suit la modification. Pardon, vas-y, je t'ai interrompu. Non, vas-y, je t'en prie. Si je me trompe pas, il repère les guerres d'édition, c'est-à-dire c'est une guerre de réversion. On disait un article modifié, puis annulé, puis remodifié avec la même modification, puis réannulé, c'est quelque chose qui attire sa bot pour bloquer la page, non? Alors, sa bot ne peut pas protéger une page, hein, il ne peut pas protéger une page, il n'y a que les administrateurs, que les contributeurs bien humains qui peuvent le faire. Par contre, il arrive parfois qu'il y ait des guerres d'édition avec sa bot. Alors, si un contributeur confirmé, c'est-à-dire avec une certaine ancienneté, annule une modification de sa bot, puisque sa bot fait parfois des erreurs, sa bot ne va pas insister, hein, il est programmé pour ne pas contrevenir aux actions des contributeurs expérimentés. Par contre, si un vandale blanchit une page, supprime tout son contenu, que ça le bot annule cette modification, donc rétablit la page, et que le vandale insiste, là, ça le bot va à chaque fois rétablir la page, et ça peut durer plusieurs minutes jusqu'à ce qu'un administrateur bloque le vandale. D'accord. Donc là, vous avez un exemple présenté par Antoine, un vandalisme hein, qui a été révoqué il y a quelques minutes à 21h47 heure de Paris. Donc à gauche, vous pouvez voir la version qui suivait l'intervention du vandale, donc sur l'article urine. Donc là, on peut se douter que c'est un vandale, un internaute d'un jeune âge, hein, collégien je dirais, qui a fait un commentaire en plein milieu d'un article en supprimant le contenu. Et ça, le bot, vous pouvez voir, donc la modification, le vandalisme a été effectué à 21h46. Et ça, le bot est intervenu la minute suivante à 21h47 pour annuler la modification. Alors, Natacha, je t'interromps parce qu'on entend très très mal. Désolé.
Alors, ouais, il y a une question sur. Je regarde. Est-ce qu'il est possible que des organismes comme l'INSEE alimentent en automatique les articles sur les statistiques des communes? Si oui, c'est peut-être aussi un bot. Alors, actuellement, c'est la mise à jour est faite par un bot, mais programmée par un contributeur de manière périodique. En fait, vous avez même des sous-pages. Alors, c'est vraiment c'est un petit peu compliqué, je vais pas détailler, mais souvent les données démographiques, par exemple, sur les communes, hein, savoir le nombre d'habitants au fur et à mesure des années pour chaque commune, donc les recensements, ces données-là sont mises à jour régulièrement lors de nouveaux recensements par un bot. Au lieu de tout faire à la main par un contributeur, ce qui prendrait beaucoup de temps, le contributeur va importer toutes les données d'INSEE dans un tableau Excel et va programmer le robot informatique pour qu'il fasse toutes les mises à jour sur Wikipédia. Et il y a même un projet dont on va vous reparler un petit peu plus tard qui s'appelle Wikidata, qui est un autre projet Wikimedia, qui est une base de données. Pour le dire très simplement, en fait, c'est une base de connaissances, pour être plus précis. Donc, c'est une base de données dans laquelle on va faire figurer plein d'informations sur un sujet. Est-ce que, Antoine, tu peux montrer l'élément Wikidata, par exemple, de l'article sur lequel tu étais, urine, ou sur l'article du personnalité, je ne sais pas, comme tu le souhaites. Donc, en fait, c'est une page, ouais, pomme, voilà, c'est un très bon exemple. Vous trouvez le lien dans le menu de gauche. Élément Wikidata, vous cliquez dessus et ça vous affiche. Donc là, vous allez changer de site. Hein. Alors, ça met un peu de temps à charger. Voilà, là, vous êtes sur Wikidata, vous pouvez voir le logo en haut à gauche qui montre bien d'être sur Wikidata et non pas sur Wikipédia. Alors, l'interface est en anglais, mais ça peut être réglé dans dans les préférences comme vous êtes en train de montrer Antoine. Et qui a du mal à régler en français, visiblement. Parce qu'il n'est pas connecté. Alors voilà, c'est bon. Il rétablit. À la pomme. Et donc, le principe de Wikidata, c'est cool de faire des phrases pour expliquer ce que c'est le sujet. Ça, c'est un article encyclopédique. Ici, on va juste faire figurer des informations sur des propriétés. Vous allez avoir plein de propriétés, notamment souvent une première propriété qui s'appelle nature de l'élément. Et ces propriétés peuvent prendre différentes valeurs. Donc pour nature de l'élément, pour pomme, en l'occurrence, on aura fruit. Donc là, vous voyez déclaration, l'élément Apple, c'est une sous-classe de pomme, de fruits, pardon, excusez-moi, de fruits. Vous allez avoir plein d'informations comme ça qui vont être données sur un sujet. Par exemple, vous allez avoir la couleur, ça va détailler quelle couleur différente peut prendre une pomme. Et donc, grâce à ça, notamment pour une commune, on va pouvoir spécifier dans cette base de données le code postal de la commune, le nombre d'habitants. Et ça va permettre de faire des mises à jour beaucoup plus simples des articles. Et ça, c'est un projet Wikidata, c'est un projet qui est assez récent encore, qui date d'il y a quelques années, et qui a une influence de plus en plus grande sur Wikipédia. Et si vous vous investissez davantage dans la communauté, vous vous rendrez compte que ça suscite aussi beaucoup de débats sur comment on intègre ces données qui viennent de Wikidata, comment on les intègre directement dans les articles de Wikipédia. Oui, je voulais juste répondre à Pierre pour la question de quel pourcentage de contribution de bots par rapport aux humains. C'est invariable selon les Wikipédias et c'est quelque chose sur le lien que j'ai mis dans le chat, il peut avoir les stats par Wikipédia de contribution des bots. Et il y en a pour lesquels ça peut être 90%. Et en l'occurrence, pour Wikipédia en français, donc il y a 538 bots,
donc 538 robots informatiques qui sont pas tous en action hein, de manière simultanée, évidemment, et même certains qui sont totalement désactivés pour l'instant, qui ont le statut de bot, mais qui ne sont pas utilisés. Et en nombre d'éditions, depuis le début de Wikipédia, ça représente 33 millions de, je vous passe les centaines de milliers, hein, 33 millions de modifications pour les bots, soit 26%, donc un quart, du nombre total de modifications. Sachant que les bots s'occupent aussi beaucoup de faire des modifications d'erreurs d'orthographe très communes, ou bien des problèmes de syntaxe dans le Wikicode. Quand on est des contributeurs, quand on débute, on fait parfois des erreurs de syntaxe, ou même quand on ne débute pas, on peut laisser traîner des éléments de syntaxe inappropriés. Et donc des robots qui viennent les corriger automatiquement. Voilà, 25% des modifications viennent de bots pour la Wikipédia en français. Je voulais juste dire un dernier petit truc à propos de Wikidata, et moi j'ai découvert récemment, peut-être vous connaissiez déjà, mais le Histropédia qui est un site qui permet de faire des frises chronologiques à partir de, si j'ai bien compris, d'extraction de Wikidata. Pour avoir une utilisation simple de Wikidata, comment dire, en dehors de Wikipédia. Oui. Alors, il y a une autre question, et je pense qu'on va bientôt approcher de la fin de cette séance. Pouvez-vous parler un peu des images que l'on peut utiliser dans les articles? J'ai bien conscience que ce doit être des images libres de droit, mais pouvez-vous approfondir le sujet? Alors, en fait, déjà, rectifier une petite erreur très très commune, mais ce ne sont pas des images libres de droit, ce sont des images sous licence libre. Et en fait, il y a une nuance. Libre de droit, ça voudrait dire qu'il n'y a plus aucun droit dessus, que l'auteur de la photo n'a plus aucun droit dessus, de la photo ou de l'image, hein, de manière plus générale. Ce qui n'est pas le cas, quelqu'un qui place son image, son œuvre, hein, sa photographie, un schéma qu'il a réalisé sous licence libre, ça ne veut pas dire que l'image est libre de droit. Un auteur d'image conserve toujours des droits moraux sur l'image. Moraux, moral au pluriel. Hein. En tout cas, dans la législation française. Oui, voilà. La législation française. Mais c'est le cas comme dans beaucoup de législations. Sur les licences libres, donc la plus connue, la plus utilisée sur Wikipédia, c'est la licence Creative Commons, qu'on abrège souvent en CC. Sache qu'en fait, c'est un type de licence, il y a plusieurs licences Creative Commons. En l'occurrence, pour les images, on utilise souvent les licences CC BY SA, qui signifie, en fait, ce sont des licences Creative Commons qui imposent, pour faire très simple, enfin, qui autorise n'importe qui à réutiliser des images, y compris dans un but commercial, c'est-à-dire que quelqu'un peut réutiliser votre photographie et la vendre, à deux conditions. D'une part, citer l'auteur, c'est-à-dire vous, l'auteur de l'image, et d'autre part, republier l'image, s'il souhaite la republier ou même la modifier, hein, c'est autorisé de modifier les images, la republier sur la même licence, ou sur une licence compatible. Donc en fait, vous pouvez mettre sur Wikimedia Commons toutes les images dont vous êtes l'auteur, vous-même, ou bien qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire, alors là on est dans des sujets un petit peu compliqués, mais ça dépend beaucoup des législations, et on reviendra largement dessus durant la semaine 5, parce que dans la semaine 5 on vous explique en détail ce que c'est que Wikimedia Commons, et dans quel cas vous pouvez importer une image, etc. On reviendra là-dessus, mais grosso modo, le domaine public, en général, c'est 70 ans après la mort de l'auteur de l'œuvre. Donc, un peintre qui a peint un tableau, il faudra attendre 70 ans après sa mort pour pouvoir importer l'image sur Wikimedia Commons et donc ensuite la mettre sur Wikipédia. Alors ça, c'est le cas général, hein, que je vous cite pour de vrai la date d'entrée
dans le domaine public dépend beaucoup du pays et de plein d'autres paramètres. Donc c'est un sujet compliqué, mais on en reparlera en semaine 5. J'espère que j'ai pu un peu déblayer le terrain. Pour compléter ce que tu dis, placer une photo qu'on a fait dans Wikimedia Commons, c'est aussi déclarer qu'on met cette photo sous une licence qui est compatible, de manière générale, cette fameuse licence CC BY-SA dont tu parles, et qui donc n'est pas juste être libre de droit, c'est pas juste une déclaration qu'on peut la réutiliser, c'est qu'on peut la réutiliser dans un certain cadre juridique qui est plus permissif que restrictif, mais qui est quand même un acte fort du point de vue du choix de la licence. Donc Wikimedia Commons, pour ça, c'est une manière de déclarer ce que les gens peuvent faire ou pas avec notre photo. Oui, tout à fait. Donc voilà, vous déclarez que les gens peuvent la réutiliser librement dans n'importe quel contexte, y compris commercial, à condition de vous citer et puis de réutiliser derrière la même licence. Ils ne peuvent pas, eux, de leur côté, mettre une licence restrictive sur votre image alors que vous-même, vous avez ouvert son utilisation à tout le monde. Mais cela dit, c'est donc pas libre de droit, tout simplement parce que vous conservez des droits, notamment le droit d'être cité. Ça, c'est un droit moral. Et pour répondre à 2+1 à propos des administrateurs de Commons, je sais pas ce que les administrateurs de Commons savent ou ne savent pas, mais il y a des cas qui sont effectivement compliqués du point de vue du droit, dans la mesure où les droits de différents pays ne sont pas les mêmes quant à ce qu'ils autorisent. Un des exemples les plus connus, c'est que en France, c'est particulièrement restrictif du point de vue des photos de paysages. Ou s'il y a un monument dans une photo de paysage qui n'est pas dans le domaine public, dont l'architecte est mort depuis moins de 70 ans, alors dans le droit français, on n'a pas le droit de la mettre sur Wikipédia, si je ne me trompe pas, tandis que dans le droit américain, c'est le cas. Et il y a ce qu'on appelle une liberté de panorama. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions et qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Juste une dernière petite question. Avez-vous une idée du nombre d'inscrits au Wikimook 2017? Combien sommes-nous? Vous êtes plus de 4 000 maintenant. Je peux même vous dire en direct le chiffre précis. Vous êtes 4070. Voilà, 4070 originaires de 84 pays différents. Voilà, essentiellement de France, ensuite du Maroc, du Canada, de Belgique, de Suisse, d'Algérie, de Tunisie, Côte d'Ivoire, Cameroun, Haïti, Bénin, Togo, et la liste continue comme ça longtemps. Voilà. De Guadeloupe, je vous le dis au passage, Guadeloupe. J'ai rien qui s'affiche pour la Guadeloupe. Mais effectivement, oui, c'est a priori, je pense que c'est compris dans la France. Hein. Ça me donnerait qu'il y a un item séparé pour la Guadeloupe. En tout cas, dans les propositions que fait Fun Inscription. De la même manière qu'on n'a pas la Martinique de manière séparée non plus. Non, il n'y a pas de Guadeloupe. Donc, c'est inclus dans les 2297 personnes qui indiquent résider en France. Effectivement, tout le monde, tous les 4000 inscrits ne participent pas de manière active au MOOC. C'est tout à fait normal, hein, dans les MOOC, de manière générale, le taux de participation est largement inférieur au taux d'inscription, au nombre d'inscrits. C'est tout à fait classique. C'était la même chose l'année dernière et c'était même moins bien l'année dernière et on est plutôt dans la marge supérieure des MOOC les plus, avec le taux de participation les plus actifs. C'est aussi un des principes des MOOC, que les gens se sentent libres d'intervenir ou pas, ou juste lurker, comme on dit, regarder les vidéos, faire les quiz, etc. Mais c'est aussi, effectivement, le taux de participation, ce n'est pas forcément quelque chose qui est
je veux dire qu'on ne fait pas le MOOC, quoi. D'autant qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, qui n'ont pas le temps de le suivre maintenant, et qui comptent le suivre plus tard, sans avoir la possibilité d'avoir la certification, du coup, puisqu'elles comptent le faire après la durée légale du MOOC, et le MOOC reste accessible, tous les contenus restent accessibles ensuite. Donc il y a des personnes qui le suivent plusieurs semaines et parfois même plusieurs mois après. Et pour répondre à Pierre et mon Esteve, on a les chiffres des personnes qui ont été certifiées l'année dernière, mais je ne l'ai pas sous les yeux et je ne peux pas le trouver rapidement. Donc, par contre, combien d'articles ont été publiés? Il y a plus de 300 articles qui ont été, plus de 400 même articles qui ont été publiés l'année dernière. Il y a même une page qui les recense. On peut vous donner en lien. Je la cherche. Alors, je l'ai. Donc, on a, plus de 300 articles qui ont été publiés. Il en reste encore quelques-uns dont on a vérifié. Voilà, Bastien Bass a mis le lien. Il était plus rapide que moi. J'étais en train de le coller. Merci, Bastien Bass. Voilà, vous avez la liste des articles qui ont été créés l'année dernière. Il y a des gens qui les ont laissés dans leur page de brouillon, qui ne les ont pas publiés. Et donc, depuis cette époque, depuis l'année dernière, on passe en revue les articles qui sont toujours en page de brouillon pour voir lesquels sont publiables ou non. Mais cette année, on a un peu mieux prévu le processus, donc vous publierez vous-même votre article. Tout à la fin du MOOC, ce sera à la fin de la semaine 6, vraiment à la fin, on vous indiquera de manière très précise quand vous pourrez publier votre page de brouillon. Je pense qu'on va s'arrêter là, Nacha et Alexandre, si ça vous va. Oui, moi je commence à avoir soif. Oui, parler donne soif. Alors Natacha a toujours des problèmes de connexion, mais je vois qu'elle répond oui dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend bien là. Ah, voilà. Je suis unmuted alors. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu avec moi et merci à toutes et tous d'avoir assisté à cette séance de questions-réponses. On espère avoir. Je vais continuer à poser des questions sur le forum d'abord de Fun et c'est toujours un bon moyen d'entamer des débats sur les sujets qui nous intéressent. Tout à fait. On espère avoir répondu à vos questions, et si ce n'est pas le cas, vous avez effectivement les forums de Fun pour continuer à poser vos questions. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée, et oui, je vais juste préciser rapidement qu'il va y avoir donc d'autres séances, telles que celle-ci, en tout cas on en a prévu 4, et donc la prochaine, je ne sais pas encore quand elle sera, mais la semaine prochaine, normalement. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Bon MOOC. Gros bisous à tous.